les filles, alors oui, je suis toujours habillée pareil que la vidéo précédente. Je sais pas si elle sera avant ou après, mais bon, sachez que vous aurez au moins 3 ou 4 vidéos habillées pareil. Enfin, habillées. Vous en voyez pas, donc voilà. Donc là, je vais vous faire des produits finis encore. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, je finis énormément de produits. Donc du coup, je vous fais les vidéos, au fur et à mesure. Donc je vais commencer tout de suite, en même temps je vous dis si je rachète ou pas, est-ce que éventuellement j'aurai racheté à la place, etc. 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 Donc j'ai terminé un gel de rasage pour peau sensible de la marque Freshea, que j'aime beaucoup parce qu'il sent très très bon. Donc c'est à l'huile d'amande douce, hydrate et apaise, et moi je l'aime énormément. Alors le problème c'est que j'avais acheté chez Stokomani, et là Stokomani j'en ai plus là où je suis, donc si un jour j'ai l'occasion de le racheter, oui je vais le faire. En attendant je pique le gel à raser de mon homme, voilà. En fait ce que je préfère c'est que c'est vraiment un gel à raser pour femme, donc du coup c'est pas une odeur masculine. Après ça que le gel à raser, moi généralement je fais un gommage derrière pour finir d'enlever un petit peu, donc voilà. Mais c'est vrai que celui-ci est vraiment, il était très très bien, donc voilà. Donc à racheter, oui, voilà. Et par quoi je le remplace? J'ai la rasé à mon homme. Ensuite, un shampoing de la marque Garnier. Donc c'est un ultra doux pour cheveux colorés ou méchés à l'huile d'argan et cranberry. Donc c'est celui-ci, vous devez le connaître. Alors, il sent très bon. Ouais, il sent très très bon même. Est-ce que je vais le racheter? Oui, éventuellement. Et par quoi je le remplace en ce moment? Qu'est-ce que j'utilise en ce moment? Mon shampoing de John Frieda que j'ai racheté. Mais là, je crois que je vais arrêter de l'utiliser parce que je veux l'emmener avec moi. J'utilise un autre de la gamme Ultra Doux. Parce que mes cheveux changent un peu de truc et ils deviennent gras. Donc du coup, en ce moment, c'est celui à l'argile et au cèdre de chez Ultra Doux. C'est celui qui est dans une bouteille jaune, voilà. Mais si je devais, oui je le rachèterais je pense. Ensuite j'ai les boules de chez Yves Rocher. J'ai terminé mon gel douche à la framboise chez les boules, mais bon voilà, je le kiffe comme d'habitude, donc je vais le racheter hein. Et j'utilise en ce moment à la place en ce moment c'est le petit marseillais fleur de cerisier et framboise, je crois. Pivoine et framboise, voilà, pivoine et framboise, et c'est une tuerie, franchement, c'est une tuerie. Donc celui-ci, je vais le racheter. Ensuite, j'ai terminé mon dernier paquet de trucs comme ça, là. Voilà, donc oui, je les rachèterai. J'ai fini mon conditionneur de chez John Frieda, donc je l'ai déjà racheté. Et qu'est-ce que j'utilise à la place? Le même. Mais comme je vous dis, je vais arrêter de les utiliser pour pouvoir les emmener avec moi. Et j'utilise un peu plus un de chez Tommy Gun, je sais plus. Qui est génial aussi. Et j'ai terminé un échantillon que j'avais eu dans la seule bitrousse que j'ai acheté. C'est une crème exfoliante pour le corps au karité, donc de la marque Elia Brine, et je pense que si je la trouve, je l'achèterai parce que j'ai beaucoup aimé déjà. Oh, il y en a encore un peu. Oh, il y en avait encore. Gâchis. Sacrilège. Donc je pense que si je le trouve, je le rachèterai parce que je l'ai beaucoup aimé. Les grains sont très très épais par contre. Donc il vous... Il décape. Hein. Ouais, il décape. Je vais essayer de mettre quelque chose. Un petit peu peut-être. Mais il décape et il est très très bien. En plus j'aime beaucoup son odeur. Franchement. Ouais, j'aime beaucoup l'odeur. Hop. Donc si j'arrive à le trouver, je vais le racheter. En dernier, j'ai fini. Pareil, j'ai un peu les boules parce que je l'aimais beaucoup. Oh. Ça pue fini tant que je le jette. Ça commence à sentir pas très bon. Vous savez, le renfermer un petit peu, quand c'est... Enfin bon, ouais. C'est le masque minute Nutri Réparateur de chez Yves Rocher. Donc je voulais le racheter, mais visiblement c'est une édition limitée parce que je ne le trouve plus. Je ne l'ai pas trouvé sur le site, donc peut-être qu'ils étaient en rupture, je sais pas. Et donc,
Il est comme ça, j'ai encore de l'après-shampoing. J'aurais bien voulu racheter le masque parce que c'est vraiment le masque que j'avais eu un coup de cœur. Et je le remplace par... J'ai pas de masque, je crois, en ce moment. Si, j'ai le masque de la marque... De la marque John Frieda. Et j'en ai un autre de Magnatis. Ouais, voilà. Donc, si je le retrouve, oui, je vais le racheter. Voilà. Donc, c'était tout pour mes produits finis. Ce sont des vidéos très très courtes parce que c'est vrai que je m'étale pas trop sur le produit. Généralement, ces produits-là, je vous en ai déjà parlé dans mes produits favoris. Donc, surtout celui-là. Et ça aussi. Donc, celui-ci aussi, je pense que vous le connaissez. Donc, les filles, évidemment, comme d'habitude, il y a du bruit, c'est mon chat. Je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à la prochaine vidéo. Bye bye!